déjà ok n'importe où yo et nous avons très tirage ok n'importe Toyota Rush déjà nous avons un line up qui diversifie nous aimons par cette plateforme là à des nouveaux talents et différents talents aussi ça veut dire que différents cap participer c'est pas juste combat et nous avons différents participants au niveau des restaurants pour avoir différents flavors pour permettre à chaque monde de faire une exposure dans le festival là. Et puis mission de base là concept là c'est vraiment offrir une expérience complète ok on vient là on enjoy cadre là on vient passer un bon moment et puis on vient prendre plaisir au lacay c'est ça le concept et en fait et problème des derniers mois passés effectivement vite par un petit ralenti au niveau de mon qui vient supporter mon financièrement parce que c'est pas une petite machine sans presse mais c'est beaucoup de bagaille donc il vient par un petit ralentissement mais quand même nous gagnons une base juste solide ok et nous comptons sur toute mon équipe là ça veut dire capacité ou avec tout ça que vous portez dans le moulin sans presse et ce qui est important c'est sécurité ça veut dire moi-même moi je suis venu et sécurité sur le site responsable de tout le monde. Et pour que nous venions dans le donc l'engagement par nous, c'est non seulement au moment de la vente, de la distribution des tickets, qui sont d'ailleurs disponibles en ligne, en cash, il y a plusieurs possibilités, et pour Pétionville, Gencorfou, Gendelma. Donc c'est vraiment à travers la capitale, donc pour que tout le monde nous rejoigne, nous ne pouvons pas dire à son ticket, et aussi sur la route, la sécurité. Donc c'est une question qui a soulevé un pile débat, on nous dit ah, c'est juste bah, pas facile, même nous sommes soif de ça, nous-mêmes nous prenons responsabilité de ça, mes amis. Dès le départ, première édition, nous avons dit que nous avons un standard international, nous avons fait que Sumfest a été reconnu. Il y a des gens qui sont à l'étranger, qui sont pas venus en Haïti. Il y a une famille, donc ça dit beaucoup. Tu vois, donc sécurité, il est là, c'est un point majeur pour nous, parce que nous sommes responsables justement de tout participant. Ça veut dire que nous faisons que tout le bagage bien passé. Nous travaillons avec des participants, des collaborateurs qui viennent des compagnies de bus, et depuis, vous voyez que c'est Sumfest qui t'a beaucoup monté, qui garantit la qualité du service là, ou mec pour la donne, parce que depuis la première édition, nous fonctionnons avec nous, nous comprenons comment nous fonctionnons, qui s'est cheval, et nous responsables, ça veut dire chauffeur, plus sécuritaire, donc c'est comme ça pour arriver. Et puis bon, le programme c'est pour venir faire week-end dans la mer, parce qu'il y a un programme qui a fait du Cameroun, sans compter qu'il y a toute l'autre activité de calendrier, sans faire suite dans le café. Et nous avons dérapé pour faire un super stand lundi, donc nous avons terminé semaine là. Mardi, nous avons Bingo Night à Assou. Donc, Bingo, c'est vraiment un programme qui vient traditionnel, si vous voulez, pendant l'été. C'est pour ça qu'à côté de la veille, nous avons mis dans la programmation. Nous avons ensuite un vlog qui a fait notre dose avec Niji, Nico, Mika Ben et plein d'artistes. Nous avons Roots, il y a plusieurs DJ qui ont joué. Et puis, vendredi, football avec nos DJ qui vont éclater en football, on connaît depuis vendredi frappé, on débrouille ce football. Et puis samedi, on tige un peu relax, on apprend dans Sunset de Cameroun, et lounge vibe, summer, franco, boulette, et dimanche, Sunset. Puis de ta part. Pour préparation, c'est quand même un an d'avance, même je l'ai annoncé un an d'avance, et nous travaillons avec différents et compagnies qui vont mettre des structures en place, parce que encore une fois, c'est sécuritairement important, nous sous l'eau, nous ne pouvons pas arriver. Et nous avons une compagnie de sécurité qui est là pour revisiter plein de sites, pour améliorer le trafic monté, le trafic descend, etc. Les sens uniques et les points de sortie de secours, qui sont toujours très importants. Et l'aspect des restaurants qui va être aussi publicisé, parce que bon map qui explique mon souci, donc ça a besoin de point d'eau, point de salle de bain, des toilettes, etc. Et restaurants. Et donc, logistique là, ça c'est vraiment le dernier petit touchdown, parce que moi, quand je dis avec expérience, nous prêts, mais nous avons un petit bail de dernière minute pour que vous vous carrez. Ça vous fait si vous ne pouvez pas faire ça. That's it. All right, thank you.